Fiche numéro 34, exercice 10, entoure la bonne réponse. Donc ici, vous avez des phrases et vous avez deux propositions pour la fin de la phrase. Alors évidemment, c'est en fonction de la lecture de la page de Taoki. Donc, pensez à bien relire avant de faire cet exercice. Et donc, il faudra entourer ce qui correspond à la fin de la phrase et à l'histoire de Taoki. Exercice numéro 11, écris une phrase pour répondre aux questions. Alors, vous avez une première question, qui a organisé le concours sur la plage? Alors ici, on ne vous demande pas de mettre juste le nom de la personne, il faut faire une phrase. Mais une phrase peut aussi être très courte. C'est-à-dire que vous pouvez répondre par tout simplement « c'est » et puis après mettre le prénom de la personne qui a organisé le concours sur la plage. Alors, je vous rappelle que « c'est », ça s'écrit « c'est'est ». Et évidemment, on n'oublie pas la majuscule et on n'oublie pas le point. Deuxième question, pourquoi Taoki s'est-il isolé? Alors, pour répondre à la question, vous allez de nouveau chercher dans le texte, mais pour commencer à répondre, vous allez utiliser les mots de la question. C'est-à-dire, vous allez commencer, alors vous n'êtes pas obligé de remettre Taoki. Vous pouvez mettre tout simplement « il s'est isolé parce que » et après, donc vous verrez dans le texte la raison pour laquelle il s'est isolé. Exercice numéro 12. Que va-t-il arriver aux sculptures quand les enfants auront quitté la plage? Alors, donc on vous demande d'une part de dessiner ce qui peut arriver aux sculptures. Donc, je vous rappelle que les sculptures ont été faites dans le sable. Donc, on imagine, une fois que les enfants sont partis, que vont devenir ces statues. Et on vous demande à côté de faire un joli dessin pour montrer ce que sont devenues les statues.